est une des pistes de recrutement principales chez nous. On forme le jeune à son métier et en même temps on le forme pour nous, c'est-à-dire que si à la fin de son apprentissage il apprécie la société dans laquelle il est, on l'embauche et il devient un de nos collaborateurs. Si on sent qu'on est plutôt doué pour les métiers manuels, l'apprentissage est une bonne voie pour se former à un métier industriel comme la mécanique de précision, la chaudronnerie et pourquoi pas imaginer d'aller faire un BTS, un diplôme d'ingénieur, etc. Aujourd'hui, c'est un métier auquel on a apporté beaucoup de technologies. On réalise des pièces qu'on voit voler dans un satellite, on réalise des pièces qu'on voit à bord d'un bateau de l'armée, dans une torpille ou sur des sonars. De la méthodologie, de la programmation en machine, bien sûr le métier qui est l'usinage, hein, donc il doit bien maîtriser son métier, et aussi le contrôle. Voilà, donc il doit connaître toute cette palette de compétences. L'impression 3D permet de réaliser des formes et des pièces que l'on ne peut pas réaliser avec d'autres technologies, même l'injection plastique. Et donc ces pièces-là sont faites sur des machines de marque volumique fabriquées, conçues à Nice. Donc ce sont des métiers techniques de haut niveau. Quand on cherche son métier quand on est jeune, l'industrie est une bonne voie.